parti. Alors, il n'y a plus qu'à accrocher quoi. Moi Dresden, mais Bubu doit aller à Groningen. Donc faudra faire tout ça et ensuite ça. Ça va être chaud, hein, mais c'est faisable. Hein. Moi je suis. Je tente le pari. Quel le mien. Ah, c'est celui qui est tout à droite. Merde. Ah attends, je vais pas fouiller un peu avec les touches. Ah peut-être que je te gêne aussi, quand je sors. Pour cette endeur. Ah ouais. Par contre, il faut aller remercier son service. Hein. Parce que moi, je suis presque à sec. Bah je te suis, hein. Direction Pays-Bas. C'est parti mon kiki. J'ai même pas fait... Ouais c'était des panneaux de... Des panneaux d'agglomération que je dois livrer. 13 tonnes. Mais si des patates. Cargaison alors que toi t'en as deux. tu dois avoir plus lourd que moi je pense. Oh là j'ai pris un peu. Ouais, j'ai un petit peu mordu. Ah, il est. tu tires ou tu pointes hein. Le feu est vert. Ah bah il est lourd au cul là. Ouais, t'as 560 chevaux, allez. Montre-nous ta bête de course. Tiens, il y a un concessionnaire Renault, tu veux pas troquer ton Iveco là? Hein? Je vous raconte. Donc on sort de Paris. Attention aux flashouilles. Je m'en bouffe à tous les coins alors. Ah celui-là non. Bah ça c'est pareil. C'est complètement débile. Il y a des panneaux comme ça bon, pour représenter la France. Sauf que il n'existe pas dans le jeu le radar quoi. C'est-à-dire que ça sert juste de déco, histoire de dire voilà t'es en France. Le seul qui fonctionne, je sais plus c'est dans quel pays, c'est toujours à l'entrée d'un tunnel. Il y a le même genre de panneau pour dire attention radar, et puis là par contre il y a réellement un radar. Mais j'arrive plus à me souvenir c'est dans quel pays ça. Je sais plus si c'est l'Italie ou... Ou la Pologne, je sais plus. Ah, y a quelqu'un derrière nous. Ah ouais. Y a quelqu'un derrière nous. Je l'ai même pas vu arriver lui. Ah oui, t'as mis ton clignotant. Ah, comment tu... Avec tes frises.
Ah, j'y crois rien. Ouais, ton PC aussi, c'est un Iveco. Je dis rien à quelque chose, mais bon. Je crois que tu m'as compris. Ouais, j'ai pas compris. À te faire tut. Ça c'est limite à 4 ans, tu peux aller plus vite. Hein. Ne t'inquiète pas. Il va y aller plus vite, dans 2 secondes. Ça c'est tout droit. Je le vois pour l'instant. T'es tellement long que le mec derrière nous il nous double. Bon, tu me diras, il remorque rien aussi. Oh, quand tu le sers. Sympa le mec, hein. C'est genre tu veux un coup de boule, tiens, paf. Je t'abîme ta portière. Il porte rien. C'est pas une raison. C'est limite si tu voulais qu'il aille sur l'herbe. Proprement et tout, et l'autre il dit non, tu passes pas, allez, flan, je te fais une queue de poisson. C'est pas très solidaire ça entre camionneurs. Ah, il s'est viandé. Ouais. Ah. Je suis coincé. Ça pue le bug, je crois. Ça pue le bug. Je fais comment maintenant? Essaye de te décoincer. T'arrives à te décoincer. Moi je vais y aller tranquillement parce que s'il m'arrive la même connerie que vous, à mon avis il a dû vouloir, tu sais quand les barrières se sont soulevées, il a dû vouloir y aller trop vite. Et puis parce que je me suis fait avoir comme ça. Il y avait les feux qui clignotaient rouges, comme quoi les barrières allaient bientôt s'abaisser. Je pensais voilà, que j'allais avoir le temps de passer. Puis paf, ça m'a stoppé net comme un mur. Je m'étais retrouvé que une bonne vingtaine de pourcentage de dégâts quand j'étais dingue. Là ça m'a rien fait, coup de bol. On peut pas oublier quand même que je fasse le plan. Ouais ouais. Sur la neige, ça y est déjà, non ? J'ai l'impression que t'as ton pneu avant qui... ou tu perds de l'huile, j'en sais rien. Ah non, ça y est déjà. J'ai cru que ça venait de ton camion, mais non. Ah, quand tu zigzags... Oh, oh là là. Clignotant, ça existe, hein. Je le vois freiner sec.
sans clignotant rien. Ouais, mais je sais que tu me suis. Ouais, mais même, quand même. C'est le code. Tout à l'heure, il m'a insulté de tricheur. Cherche des potes. Il a dû se faire mal quand même avec son camion. Des barrières, on sait même pas pourquoi. Ah. Première fois que je suis passé ici, méchante suite que j'ai pris. Ah, presque. Il nous suit toujours ou... Alors, regarde dans ta rétro. Non mais je parle du gars, pas de toi. Toi je te vois, le gars je le vois pas. Bah, moi je le vois, il te collait au cul au péage, comme moi j'ai pris celui d'à côté. Ah, je vois une station service à gauche. J'espère pour toi que c'est à gauche de ta destination. Oh, un 44, ça va. Il s'arrête à côté de nous. Ah si, je le vois dans le rétro. Enfin, tant qu'il joue propre, moi je m'en fous, hein, ça fait de la compagnie. T'as oublié ton clignotant. Ok. Je vais remettre une petite goutte, même si c'est minuscule. Bah je m'élance en attendant. J'ai déjà rattrapé, moi j'avais ralenti. Avec ton tracteur. Ah. Non, c'est toi qui s'élance, la première fois qu'il est lancé, c'est bon. Ouais, mais c'est ça le souci, c'est... Il y a très peu de zones pour s'élancer. Alors... Après, je sais très bien qu'une fois lancé, voilà, si tu montes ce jeu...
Si tu montes jusqu'à 90, il restera toujours à 90, mais... Mais ça, c'est du GG, je me suis raté pile poil. 8 euros. Ça va. Et on se plaint des péages, mais tu sais, en Italie, j'ai remarqué que c'était plus cher. Enfin, du moins dans le jeu. J'ai trouvé que les péages de l'Italie étaient plus chers. Après, est-ce que c'est pas une histoire de plaque ? Comme nous, on est sur des plaques françaises. Intégrer ça dans le jeu... je sais pas, c'est une question. C'est une question bête. Je pense oui, parce que c'est... Non, mais dans la réalité, je pense que ça doit être comme ça. Si tu t'amènes avec des plaques françaises, tu payes plus cher. Je sais pas. Comment veux-tu que la machine, elle va pas scanner ta plaque pour te dire combien que tu dois payer? C'est idiot ce que tu dis. Ah, je sais pas. C'est une simulation alors. Qu'est-ce qu'une simulation? Bah ça, donc pourquoi pas. Oui, mais à la réalité, pourquoi... comment on pourrait faire faudrait que au moment que tu prends le ticket, que la machine te scanne pour qu'à l'arrivée, calcule que certains doivent payer plus cher que d'autres. Donc à l'arrivée, il faudrait un deuxième scan. T'as une pause? Voilà, méchant lag. Oh là, heureusement qu'on se passe à travers. Putain, on serait sur l'autre serveur, là je te tapais dans le cul et puis j'avais le droit encore à presque 30% de dégâts. Nico, il s'en va. Ouais, lui, il a pas eu de freeze. Ouais, bah franchement je suis pas mécontent qu'on soit sur ce serveur là où on peut se passer à travers parce que on a arrêté sur l'autre serveur. Boum, je poussais le camion, la cargaison, la totale quoi, la mission complètement foutue. Jamais de nuit sur ce serveur là. Bon, ça retire du réalisme qu'on se passe à travers quand même. Mais bon, en contrepartie, le freeze aussi, hein, c'était pas... ça fait pas partie de la simulation. Il m'a fait peur lui. Ah, il t'a passé à travers? Ouais. Tu vois, regarde, c'est un truc étroit comme ça où j'ai retourné mon camion tout à l'heure pour te rejoindre à Paris. Comment j'étais dingue. Un moment d'inattention, puis... Pardon, il m'a marre, il se sauve. Ah, il était tellement lent. Je suis à fond, hein. C'est mon long, c'est 90 et... C'est le max, hein, 90. Hein. Ouais, je sais. T'as pas de licence à faire? Non, c'est bon. Ah bah attends, il est à la station service. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu prendre de l'avance pour faire un peu le plein. Le GPS il me dit de faire demi-tour. Ah bon? Bah oui, il me fait pas... Ah oui, c'est vrai, toi t'as pas pris... Bah moi j'étais pas censé aller en Hollande, hein. Moi je traversais Belgique et puis Allemagne, hein.
ça que je te disais qu'au niveau du temps de livraison, ça me fait un léger, enfin un léger, ça me fait un gros détour quand même, mais bah tiens, il y revient. Ah, vas-y, comment il me force le passage. On peut pas doubler à gauche, hein. Lui aussi, il connaît pas le code de la route. Ouais, il a dû débrider pour rouler à 120, parce que... Je suis à 90, puis il roule plus vite que moi. Et je vois. Un passager de train, ça. Ça a l'air, ouais. Mais je vois pas de train, dommage. Ouais, c'est dommage. En tout cas, j'ai pas souvenir d'être passé par là. Ouais, il a dû se promener avec son train, son tracteur. Hein. Bah oui. Il veut savoir où tu livres. Il me suit. J'étais tout droit, pourquoi? Non, je plaisante. Non, t'es derrière moi, je te vois. Là, parce que je l'ai vu la dernière minute, donc j'ai pas le temps de mettre le clignotant. Pour ça, j'ai freiné à mort. Sympa ça. Bon, ça c'est facile, hein. C'est pareil, moi ce que je trouve de dommage, c'est que j'ai l'impression que voilà, tout le jeu c'est que du plat. Ça aurait dû faire, toi, des routes de campagne. Tu sais, il y a des villes qui sont un peu plus en hauteur, quoi. Donc, dans les montagnes, des trucs comme ça. Ouais, ou... voilà. Un peu comme, tu sais, le Tour de France de cyclisme. Hein, tu sais, les étapes de montagne, tu les vois monter comme des forcenés, voilà, quoi. Toi, ça se limite à ça, quoi, les côtes. C'est un peu ridicule, quoi. On a l'impression que voilà, toute l'Europe est plate, quoi, on a l'impression. Ah, c'est 337 km. Ah, on va passer une frontière apparemment. Ah bah, on va rentrer en Hollande. Est-ce qu'il faut en essence? Ouais, je dois peut-être en remettre un peu, j'ai peur de la panne. Non mais je dis quoi? Parce que me dis pas que t'as encore le plein à faire, on l'a fait il y a quoi On a fait le plein il y a 2 minutes. Sans déconner. Merde.
combien en fait? J'ai même pas vu le prix. Il a même pas coûté 100 euros, j'ai pas fait gaffe au prix, mais ça n'avait pas l'air d'être cher. C'est sûr, c'est que si t'as mis que 5 litres. Ah non, il a mis 200 et quelques litres. C'est parce que je commençais à arriver. Parce que j'ai peur que si on tourne là-bas, pas avoir assez d'essence. Enfin, de fuel. Il y en a un peu partout des stations service. Ah mais il a l'air de je crame pas mal le fuel et ça a l'air d'être ce qui tire le fait un petit peu manger. Ouais, j'ai l'impression que t'es en train de bouffer les pommes de terre en chemin. Le mec a le hockey d'avoir trop bouffé. Ouais, quand tu frôles la barrière, tu m'as fait peur là. Là je l'ai vu, je me suis dit je vais m'écarter à poil parce que tout à l'heure il m'est arrivé une couille. La dernière fois ça m'avait coûté cher. Oh, c'était qu'une fois. Ah là ça... Sympa ça, les petits virages comme ça là. Voilà, tout en douceur. Oh, comment il meurt. Le truc il coupe sur l'herbe. Ah moi j'y vais comme ça. Ça va plus vite hein. Ouais, ça abîme bien. Ah je gagne pas à tous les coups hein. Ça abîme les pneus aussi. Bon, t'as vu le panneau interdiction de doubler, hein. Il y a la ligne blanche. Hein. Elle est où? Ah, sous la neige, la ligne blanche. Hé, couillon. T'as pas remarqué qu'à cause de la neige, il n'y a aucun marquage nulle part. Il y a une espèce de truc noir qui vole là-haut. Oui, on appelle ça des oiseaux. Je crois bien que ce sont les seules bestioles qu'il y a dans le jeu quoi. Je vais tellement vite que j'ai le temps d'admirer le paysage. Hein. C'est le mec, ça y est, à peine rentré dans les frontières de Hollande, ça y est, il a déjà fumé son pet. Je vois des points noirs dans le ciel. Le camion l'a sauté là. Ouais, une légère petite bosse. Mais ça sert à... Est-ce que tu nous refais encore? Excuse-moi parce que... Non mais on doit tourner là. Je l'ai vu un peu tard. Là. Là je me suis mal. Là comme j'ai freiné. Ah ça va être sympa ça pour passer maintenant. Maman. Comment je le vois en train de forcer. Oh la bonjour la peinture. Malheureusement je peux pas te pousser. Hein. Ah bah le poteau est tombé. Il l'a vu tomber non? Non non j'avais pas un bon angle. Hein. Ah ouais je l'ai vu dans le rétro il s'est couché et hop. Ouais bah toi je suis pas étonné. Hein. En fait le petit gars il nous suit toujours ou il a abandonné? Je le vois de loin mais... Je m'étonne qu'il s'est éloigné, il a eu peur. C'est clair. Bon. Ah
ça va bien, parce que je trouve une quête qui se rapproche de toi après sur le retour, là, pour te suivre. Moi, je ferai pas tout à vide. Moi, j'ai pas d'employé comme toi. Ouais, mais moi, en multijoueur, ils sont en pause, les employés, là. Ouais, bah bon. Tu fais une partie solo plus tard, et puis tu récupères trois fois ta mise en une seule fois. À la dérive. Bon, je pense qu'il a dû abandonner parce que j'ai vu qu'il avait pris le virage, mais il a pas l'air de chercher de nous rattraper. Alors. Et puis il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter pour prendre un café, alors, si je te dis. Alors en ville, il y a des hôtels. Hein. Mais à mon avis, on doit certainement dormir dans le camion, parce que vu que c'est gratuit. Me dit que ça sera à droite. Pour l'instant, je profite de l'élan. Oui, pour mieux te lourder, vas-y, fonce. Là, je vais monter à 93. Wow, 94. Vas-y. Allez, tiens le coup. Allez, à 94. Oh, t'as freiné. Ouais, là, ça commence à être juste pour prendre le virage, là, avec 94. Je voyais que finir sur le côté. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Faut essayer pour le savoir. Ouais, mais non, c'est bon. Moi qui paye les frais. T'es riche. Un garage, un beau camion. Ah, maintenant, ouais, c'est vrai qu'il commence à être bon, mon camion. Il manque juste le moteur qui va avec. Il fait moins, un peu moins caisse à savon. C'est vrai que là, il commence à avoir de la gueule, mon truc. Je te vois en rétro, là. La peinture qui recouvre le taco, quoi. Parce que à la base c'est celui d'origine. La base c'est juste une couverture d'origine. Ouais. Je suis resté sur celui de l'achat d'origine. C'est que de la modif. Donc moi je fais une évolution normale. J'évolue mon camion. Regarde le même camion. C'est le premier. Hein. Ah non, non j'avais démarré avec une Renault, c'est vrai. Ouais, j'étais pas mécontent de la Renault. Hein. J'avais dû démarrer pas loin de. Ouais, enfin, j'étais proche des 600 choux. Je me souviens plus combien, mais pour les quêtes de début de partie, ça dépannait vachement bien, quoi. J'aurais démarré comme toi un truc à 360 chevaux, laisse tomber. Ça aurait été la misère. Quoi. 330. Ça devrait même pas exister. Peut-être pas livrer des radis, mais...
Ah bah au début tu fais pas grand chose hein. Je veux bien te croire. Puis tu dois pas aller très loin non plus. C'est clair. Quand on voit ce que j'en ai fait aujourd'hui, quand même. Ah, attention, je tourne. Je sais. Alors, de quelle façon? Allez, un petit bang. Qu'à freiner milieu de côte lui. Là j'ai pas payé sur le frein. Oh sérieux, j'étais obligé de me stopper à l'arrêt pour pas te taper dans le cul. Oh là là. Ah ouais. Là j'ai vu. Ah oh là là là, l'erreur. Et c'est un peu. Un peu trop serré. T'oublies que t'as une remorque chez quoi. Mais il était un peu trop tôt. Ouais. Putain, une amende de d'excès de contre-sens. Enfin, pas d'excès, mais... Ouais, il me prend une pour sens inverse. Hein. Non, j'ai un problème. C'est bon, j'ai récupéré. J'ai mon GPS qui avait sauté. Oh. Il était tombé et tu l'as remis sur son socle. Non, à la place, je voyais mon camion. Enfin, le... Newbie, et puis sur un tout sans faire exprès. Je vais l'ai enlevé. Voilà, c'est remis. Mais... Sachez, il attend 2 secondes parce que un truc à se planter de route, ça. Là, je suis gentil, hein, je me suis pas quasiment arrêté. Non, ça va en plus. Je lui ai collé un boulevard, il est mauvais. Ouais, j'ai freiné pour te laisser passer. Non, ça va en plus. Oh, il y a un moulin, il est sympa. Ouais, attends, tu vas. J'arrive. Et nous aime pas trop parce que je sais pas où c'est qu'on va. Oh le beau moulin. Tu sais pas où tu dois livrer. Puis après tu verras une belle église. Moi ouais, comment j'ai sauté sur le petit pont. Y'a un mec qui fait du vélo tiens. Sur la droite. Ah, une autre église. D'accord. Ah ouais. Deux églises plus ou moins dans le même, on va dire aller à 500 mètres de distance. Ils étaient à court d'idées en déco. C'est pareil, la tour avec la boule, il y a la même chose. Je sais plus dans quelle ville, je sais plus si c'est à Berlin ou à... Ouais, il y a beaucoup de passages qui se répètent. Hein. Bah c'est un peu dommage quoi, c'est... Enfin ça manque beaucoup de choses quoi. Ne serait-ce que les villes ne faire un... Voilà, ils ont fait un village quoi. Il n'y a même pas d'habitation quoi. Et puis voilà, des petites routes de campagne comme ça que j'adore quoi, parce que je trouve qu'il y a trop d'autoroutes. Hein. Faire de temps en temps traverser un minuscule village, quitte à ce qu'il n'y ait que 2-3 maisons, on s'en fout mais... Parce qu'il y a ça dans la réalité quoi. Et miens écrasés les piétons.
Par exemple, regarde, ça c'est la troisième église que je vois. J'ai grillé. Non, j'ai pas grillé parce qu'en fait j'ai un peu triché. Je te laisse la surprise. Je te dis pas ce qu'il y a. Par contre, je vais m'arrêter pour voir si tu vas faire la connerie. Ah toi tu l'as en vert. Ah la chance, c'est la triche. Moi je l'avais eu rouge. Ah les boules. Yeah. Ah t'as dû voir comment j'ai pilé. Alors l'astuce c'est que si tu mets les deux pieds sur le frein puis que tu tires tout droit, tu bouffes une amende. Si tu regardes bien le script du jeu, c'est un peu comme les feux rouges en ville. Moi j'ai pilé sur l'herbe, mais pas trop, parce que il y a une certaine de distance où après avec la délimitation de la map tu tapes un mur invisible. Donc mais il y a quand même un écart de quoi se garer un camion quoi. Donc j'ai pris entre la délimitation invisible et puis le feu rouge, c'est sur la droite. Comme ça il a pas considéré que j'ai grillé le feu rouge. C'est un peu comme en ville, si tu prends la voie de gauche, il considère pas que tu grilles le feu rouge. Bon, il y a le risque de te prendre l'amende de rouler en sens inverse, mais bon. J'ai l'impression qu'on est en train d'arriver là. Ouais. Il y a 8 km. Oh, feu vert. Pour une fois que j'ai pas ces fichus script ou. Ça passe rouge dès que j'arrive quoi, c'est. Oh quand c'est énervant ça. Bon bah du coup je vais t'attendre parce que je sais pas avec près. Je sais pas. Parce que là ça y est on y est mais je sais pas. Bah, sauf que aussi c'est moi qui ai les rouges. Je vais t'attendre. Bah, pour l'instant, je suis au feu rouge, donc faudra t'attendre. c'est ce que je fais. Je suis sur le bas côté en train de pisser contre le mur. Il reste encore 2 km à faire. Ouais donc ça doit pas être là où je suis. Hein. Ah, un petit peu au-dessus mais je sais pas si je vais tourner ou si je vais continuer de tourner. Pour l'instant il me dit rien donc. Ah, passer vers le feu. Ouais. Dans la rétro j'ai vu que ça avait changé de couleur. Ah bah ça c'est tout droit. Oh, ça doit être le truc pas très loin de la clé à molette. Il a l'air d'y avoir un spot pour un spot pour décharger les. Pourtant j'ai mis cri de temps. Hein. Ouais, je regardais le GPS. Voilà. Oui oui oui. Bon, par rapport à mes créneaux d'horaire à moi. J'ai entre mardi 40 à partir de 40 de 8h48. Ça va, on est lundi 13h28. Mais bon, faudra pas trop traîner non plus, il y a 700 bornes à faire. Ah, ce serait pas le truc là à tourner là. Ouais. D'accord.
pas fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Oh. Je compte sur toi pour pas que je sois en retard. Hein. Ah. Quel temps de me servir un café. T'en sors? Ouais, vas-y, foutons de moi. Ah, j'oserais pas, voyons. Est-ce que c'est mon genre? Oui. Oh. Espèce de balance. Un peu la ville, j'en reviendrai chercher ma remorque après. Alors il y a une entreprise là. Ah, une pompe à essence dans la ville, c'est la première fois que je vois ça. Ou alors c'est une, c'est à la sortie. Voilà, ça a l'air d'être plus sorti. Donc il n'y a qu'une entreprise. Je vais voir ce que c'est comme entreprise. Si j'arrive à faire le demi-tour proprement. Voilà. Parce que s'il n'y a qu'une entreprise, ça vaut pas des masses le coup de d'acheter un garage dans le coin. Je me suis trop éloigné de ma cargaison, elle est perdue. Non. Ouais, c'est ce que ça m'a marqué. Non. Putain. Ouais. Ah, c'est pas de bol. Après, il me propose de transporter des surgelés jusqu'en Pologne, quoi. La farce à deux balles. Bon, en même temps... C'est vraiment pas de bol. Ouais. Bah, tu sais, c'est ça qu'on découvre le jeu, hein. Parce qu'en fait, on a le droit de le lâcher, mais il y a un périmètre de... Il y a un périmètre à respecter en fait. Et puis bah je suis sorti du périmètre et puis il a marqué voilà que la cargaison était perdue. Bah, c'est bon à savoir, hein. C'est bon, c'est vrai, ça fout les boules. Parce que je me rappelle même plus combien coûtait la quête. C'était peut-être 30 000, un truc comme ça. Après avoir fait la moitié du chemin. C'est vraiment con quoi. Apparemment, il y a une deuxième entreprise qui est un petit chouïa plus loin, qui est pratiquement collée à la ville. Il y a encore ces feux rouges à la barre moelleuse là. T'as le temps, t'as le temps.
Ouais, bah maintenant. Maintenant j'ai tout mon temps, maintenant que j'ai perdu ma cargaison. Mais c'est bon à savoir quoi, c'est... La prochaine fois on saura qu'il faut pas trop s'éloigner. Alors, qu'est-ce que ça propose ici? Oh, ça me propose d'aller en Angleterre. Oh. On ira un de ces quatre, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le truc qui me botte. Tout ça pour encore livrer des pommes de terre. Il y a un trafic de pommes de terre. Alors, je préfère encore l'autre pour aller en Pologne. Je sais pas si ça a pas l'air de valoir vraiment le coup d'acheter un garage par là. C'est-à-dire que les villes font un cinquantième de la réalité et puis tu t'as plus de feux rouges que dans la réalité quoi, c'est... Tu traverses n'importe quelle ville, tu tapes quoi, trois feux rouges mais sur une distance d'un kilomètre quoi. Là sur une superficie d'un petit village tu tapes au moins quatre feux rouges quoi. D'effort par là. Et voilà, j'arrive, le feu qui passe orange et rouge, les superscripts. Ah, j'étais dessus. Ah. Il m'a arrêté, j'ai accéléré. Je veux voir ça. Saloperie de feu. Excellent. GG. Et voilà, on commence à gagner des sous. On va dire, on va prendre le shit. Là. Enfin, le shit, on va tricher parce que... Ouais, je veux bien jouer proprement, mais il y a des limites, quoi. Il y a des limites à la connerie. Avec leur script à la con. Ah, puis ils nous disent pas qu'on sort de la ville. D'accord. En fait, il y a une moitié, c'est la ville, l'autre moitié, c'est la route standard. Et autre, nous, pour c'est voir vraiment, ce qu'il y a à faire. C'est vraiment. Et il y a plus rien qui s'affiche. Bizarre, ça. Non, non, c'est que pour stocker, c'est pas... Ouais, c'est pas pour... C'est pas, bon. C'est pas pour prendre des quêtes, quoi. Bon. Un truc pour les quêtes, alors, c'est où, ça? Pas très loin, si tu veux, je t'y emmène, hein. Allez, je suis sorti, je t'attends. Oh non, mais attends. J'ai encore un feu rouge. Voilà. Et encore un autre. Bah oui. Ah, il passe au vert. Bah j'ai fait comme toi, je suis passé par la gauche, mais j'ai pris une prune. Ça dépend, si faut passer sur la gauche, si c'est deux sens opposés. Si les deux voies vont dans la même direction, c'est sûr, tu te bouffes la prune. Hein. Faut aller sur la voie de gauche que si c'est une direction... Ah, j'ai trouvé un. Ouais. Bah, c'est celui qui me proposait d'aller en Pologne. Bah en tout cas, moi je dis GG pour ta livraison, et puis bah moi, sniff, j'ai rien du tout.
Ah, tant pis, moi je vais m'arrêter là-dessus. À la prochaine. À la prochaine.